Quand Lassana Kouyaté vient à la Sorbonne, reçue par le président Georges Haddad de l'Université Paris 1 Panthéon, la centaine d'étudiants présents pour l'occasion voit un véritable poids lourd du continent africain, un homme aguerri. Certains iront même jusqu'à dire le futur président de la République de Guinée. De toute évidence, son parcours dense et riche lui en apporte les capacités. Bonjour, Excellence. Soyez le bienvenu. Soyez le bienvenu. Bonjour. Je voudrais vous remercier très sincèrement pour l'accueil que vous réservez. Remercier le président de l'Université de la Sorbonne, Paris 1, avec qui je viens d'avoir un entretien de près de 30 minutes dans son bureau, et sa gentillesse, sa simplicité, son amabilité sont contagieuses. Et j'ai eu peut-être la chance d'être parmi ceux qui ont eu la primeur de l'année de l'Afrique qui va organiser ici, et de l'annoncer déjà. Et je crois que nous tous, nous allons contribuer au succès de cette année-là. Après des études supérieures et un master à l'Université Polytechnique de Conakry, il décroche un diplôme d'études supérieures en administration publique, économie générale et gestion financière d'entreprise avec mention excellent du jury. Très vite, et c'est logique, il fait ses armes dans la haute administration et conduit, entre autres, pour l'agriculture de son pays, des avancées concrètes. En 1993, sa carrière prend un tournant diplomatique. Le secrétaire général de l'ONU le nomme représentant spécial ad intérim en Somalie. À cette période, ce pays est soumis à de rudes instabilités, mais l'homme se montre habile négociateur et fait conséquemment avancer les dossiers. Ses atouts le conduisent par la suite vers des entités telles la CDAO, puis la francophonie, pour enfin revenir dans la lumière de son pays avec le rôle de Premier ministre, fonction qu'à partir de février 2007, il occupera 15 mois. L'agriculture africaine, on en a souvent parlé, mais c'est l'Afrique elle-même qui constitue une passion. Soit on est afro-pessimiste, soit on est afro-optimiste, mais moi je dis toujours, soyons afro-réalité. Pour dire ce qui marche et ce qui ne marche pas. C'est vrai que l'Afrique est un continent. La question s'est posée ici même, à Paris. Doit-on parler de l'Afrique ou des Afriques? C'est un débat dans lequel je ne veux pas intervenir parce que, comme on le dit souvent, le rail ou la rail pourvu que le train passe. On est un continent qui a donc, le même espace de vie. On est un continent qui, grosso modo, a la même histoire. On est un continent qui, grosso modo aussi, a, je dirais, les mêmes expressions sentimentales, culturelles. Tout cela fait qu'on pense que l'Afrique est un continent pays. Quand quelqu'un d'entre vous doit voyager demain et qu'un Français lui demande où tu vas, il va commencer par dire « je vais en Afrique ». Il faut aller juste plus loin pour lui demander où exactement, pour qu'il te dise le pays. En 2009, il crée en Guinée le Parti pour l'espoir et le développement national. Mais la présidence revient tout de même à Alpha Condé, duquel il s'est éloigné en 2011, après pourtant quelques chemins communs. La tentative de Lassana Kouyaté en 2015 n'apporte guère plus de satisfaction, malgré les bons échos sur sa personnalité auprès de la population guinéenne, son ex-camarade Alpha Condé se maintient au pouvoir. La population n'est pas un problème. La densité d'abord, la densité africaine, c'est 40 habitants par kilomètre carré. 40 habitants. Aller ailleurs, j'ai visité des pays qui sont déjà développés, où la densité est tellement forte, qui
qu'on peut prendre la superficie générale de ce pays et dire la densité, c'est telle. Mais le problème, ce n'est pas la population, c'est que faire de cette population. La population va faire quoi? La jeunesse représente globalement 60%. Je dis bien globalement. Dans certains pays, ça va au-delà. Si cette jeunesse n'a pas d'emploi, si cette jeunesse ne parvient pas à dessiner son futur, alors la population devient une bombe à retardement. Tout est là. Il est de l'accroissement démographique, ce qui est de la naissance d'un bébé. Quand le bébé arrive, avant son arrivée, vous préparez la layette, vous préparez toutes les conditions pour accueillir le bébé. Mais si la population doit continuer à grossir, alors que le nombre de routes ne change pas, le nombre d'hôpitaux ne change pas, le nombre de dispensaires ne change pas, le nombre d'écoles ne change pas, c'est dire que vous accueillez des enfants qui resteront nus. Aucun homme, aucune femme ne peut se permettre de ne rien préparer pour l'arrivée de son enfant. Mais parlons de l'agriculture, puisque c'est le thème que vous avez choisi. L'agriculture, comme je le disais tout de suite, ce que vous dites est d'autant vrai que quand vous prenez la trame de l'histoire, ça n'a pas commencé ni par l'agriculture ni par l'industrie. On a commencé d'abord, n'est-ce pas, par la cueillette. De la cueillette, on est venu à la chasse. Et de la chasse, grosso modo, on est venu à l'agriculture. Et de l'agriculture à l'industrie. Aujourd'hui, on est à une phase qu'on appelle la phase technotronique, c'est-à-dire l'intelligence artificielle. Tout cela est vrai. Mais on vient justement, c'est l'un des buts de cette conférence, dire ce qui a été bien fait par les Africains dans le domaine agricole, mais dire ce qui a été mal fait. Et l'exode rural fait partie de nos maux, parce que l'agriculture se meurt. Mais cela aussi est lié à un fait historique que beaucoup ne connaissent pas. Bon, on aura le temps d'évoquer tout cela, mais vous avez raison, c'est tout part d'abord de la conception d'une politique agricole qui fasse que les gens restent liés au sol, à leur métier d'agriculteur, de paysan. Mais comment le faire si tout est centralisé à la capitale? Finalement, ce n'est pas de gaieté de cœur que le monde rural, n'est-ce pas, se dépeuple au profit des zones urbaines. Bon, beaucoup de pays le vivent, mais si on n'essaye pas de décentraliser véritablement, si on n'essaye pas d'amener tout ce qu'il y a comme ingrédient pour soutenir la viabilité de nos villages, de nos hameaux et de nos villes de l'intérieur, il y aura toujours cette tendance à aller non seulement dans les grandes villes, mais surtout dans la capitale. Et c'est dommage pour l'agriculture, parce qu'on ne peut pas avoir l'agro-industrie sans agriculture. Ça commence par l'agro. L'industrie qui se perfectionne aujourd'hui, ailleurs, dans le domaine agricole, on a rendu l'agriculture plus consommable, plus facile, plus rapide à fabriquer. Si l'agriculture nourrissait 100 personnes, la chasse en nourrissait peut-être 150, 200, 300. Et c'est de tout ça que, après tout ça, que l'agriculture est arrivée. L'homme a commencé à cultiver, à comprendre qu'il fallait travailler la terre, en tirer quelque chose. En cela, je peux dire que tout le mérite revient aux premiers hommes. Hein. Parce qu'ils ont imaginé ça. Ils l'ont trouvé. Et là où la chasse pouvait nourrir 200 personnes, l'agriculture pouvait nourrir déjà 1 million. Le parcours de l'histoire continue. Et cette agriculture, vers le 18e siècle, on a imaginé un autre moyen de multiplier à l'extrême
Ce qu'on gagnait déjà de l'agriculture, c'est l'ère de l'industrialisation. L'agro-industrie est une composante de l'industrialisation. Et on a industrialisé. Là où l'agriculture simple, c'est-à-dire l'agriculture de subsistance, pouvait nourrir 1 million, l'agro-industrie est venue à nourrir des milliards. Ça, c'est l'évolution de l'humanité. Aujourd'hui, en ce début d'année 2019, bien sûr, les étudiants viennent écouter un Africain leur parler de l'Afrique sur le thème « Agriculture africaine, les défis à relever ». Mais ils ont aussi en face d'eux un homme dont l'ambition avouée est de devenir président de la Guinée en 2020. Au travers de son exposé très étayé, l'homme se montre sur du sujet qu'il connaît bien et pour lequel il affiche une maîtrise certaine. Agriculture pour l'émergence, maîtrise de l'eau, les engrais organiques, mise en place de financements harmonieux, maîtrise de la programmation des récoltes, amélioration des réseaux routiers, dispositif de circulation entre les États pour le transport des marchandises. Il faut dire que sur ce point, au-delà des taxes étatiques classiques, les routes, au travers de différents points de contrôle, génèrent très souvent de la taxation sauvage et que ce procédé n'est pas un encouragement vers l'amplification des flux de marchandises, sans compter aussi des points importants comme leur stockage, voire leur conservation. Le problème du financement doit être posé par les États. Et je crois qu'on a mis le NEPAD pour tous. Vous avez entendu parler du NEPAD. Le problème de l'Afrique, ce n'est pas de prendre les bonnes décisions, mais c'est comment les appliquer. C'est l'application qui fait défaut. Parfois, des accords sont signés. C'est signé par des personnalités qui, avant d'arriver à l'aéroport pour leur départ, ils ont déjà oublié ce qu'ils ont signé. Je vous parle très sincèrement, parce que je veux que mon continent s'élève pour le présent est pour vous. Quand vous avez la charge que les présents laissent, je fais partie, hein, ça brisera beaucoup. Parce que c'est trop. Et si la population est aujourd'hui de 30 millions, quand vous serez aux affaires, ça sera peut-être le triple. Vous aurez encore plus de problèmes. C'est pourquoi je ne ménage pas mes mots, je ne tomberai pas dans cette diplomatie qui veut qu'on caresse tout dans le sens du poids. Ça ne sert à rien, on nous trompons nous-mêmes. Quand les agriculteurs produisent, ils doivent acheminer. Il faut acheminer le produit quelque part. Et si les routes ne sont pas bonnes? L'état défectueux des routes fait partie des défis de l'agriculture. Je n'ai même pas besoin de trop commenter. J'ai été dans des endroits en Afrique où, je vous assure, il y avait des nids d'éléphants. Vous entrez là-dedans, vous ne voyez même plus le ciel. Sur une route. Comment voulez-vous que les produits qui sont extraits des sols et sous-sols puissent être acheminés à bon port? Les infrastructures font défaut. Il faut y travailler. Il y a ce que j'ai observé de très près au sein de la CEDEAO, la multiplicité des barrages intra- et inter-État. Dans le même pays, quand un agriculteur quitte le sud pour aller vers le nord, combien de barrages il rencontre? À la CEDEAO, je donne souvent cet exemple, je me suis mis dans la peau d'un simple fonctionnaire. Voyageant ni avec escroc ni rien, j'étais avec mes techniciens
on a identifié une productrice d'oignons du Niger qui devait voyager pour aller faire écouler ses produits sur le marché ivoirien. Il faut traverser le Nigeria, le Bénin, le Togo, le Ghana avant d'être en Côte d'Ivoire. C'était une camionnette remplie de noms. On suivait le convoi sans qu'ils ne le sachent. On les a arrêtés 150 fois. Platou, c'était l'équivalent de 10 dollars qu'ils payaient, soit en Naira, soit en CEDI, soit en franc CFA. Arrivé en Côte d'Ivoire, les gens étaient toujours là parce qu'on les tenait vraiment pour ouvrir nos yeux sur les réalités. Ce tonneau produit au Niger coûtait 10 fois plus cher que l'oignon importé de Hollande sur le marché ivoirien. La Sana Kouyaté a vraiment scanné de manière pointue les axes prioritaires vers lesquels, selon lui, il faut tendre pour développer cette agriculture africaine. Cet homme que l'on a pu également entendre au printemps 2018 sur Russian TV émettre de tous ses voeux l'implication plus marquée de la Russie en Afrique semble avoir apprécié la tenue de mini et grand vrai sommet dans cet axe précis au courant de l'année 2018. Il sera peut-être temps plus tard de parler géopolitique. Cette fois, à la surface, c'est l'agriculture qui avait la vedette. Nous attendons avec impatience d'autres rendez-vous pour creuser un peu plus, pourquoi pas en sous-sol. Précisons qu'en fin de conférence, les étudiants ont remis à la Sana Kouyaté un prix valorisant de toute évidence leur satisfaction d'avoir été enrichis par un homme politique de si haut niveau. Je vous souhaite plein de succès. Peut-être que vous êtes un homme de bien. Vous êtes un homme qui a son cœur sur sa main. Vous êtes un homme qui aime l'Afrique. Vous êtes un homme qui aime notre continent. Donc nous vous remercions qu'Allah vous donne une longue vie et que vous réussissez un succès éclatant pour vos prochaines activités politiques et envers la démocratie. En un mot, parce que c'est le mot probablement le plus court, l'un des plus courts, en tout cas le plus important, c'est le seul que je vais prononcer pour vous dire merci. Merci beaucoup.